j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo des encombrements, rangement de l'extrême. Comment vous dire ça autrement? Oui, j'ai décidé de faire une pièce par mois, ou en tout cas, vous proposer des vidéos comme ça, si ce n'est à un endroit précis de ma maison que je vais complètement ranger, désencombrer, voilà, désencombrer un maximum. J'ai vraiment envie de trier. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous faire un avant, un prêt, et je vais essayer de faire des piles avec à donner, à vendre, si vraiment il y a des choses à vendre, ou sinon à mettre pour Emmaüs, parce qu'il y a des choses que je vais donner aux copines, etc. Il y a des choses que je mets pour Emmaüs, donc je vais faire des piles différentes et jeter, si vraiment il y a des choses à jeter, je jette. Même si dans l'idéal, j'ai pas envie de jeter, sauf si c'est des objets ou des choses dégradées, abîmées, mais sinon j'essaie de donner ou de revendre. Voilà, donc je vous ai dit l'objectif. Aujourd'hui, on va s'attaquer à mon bureau, qui est une partie de ma salle à manger, un petit coin logiquement bureau. Et ce petit coin est devenu gigantesque avec tout ce que j'ai à récupérer de ma classe et que je n'ai pas pu stocker à un endroit précis chez moi. Donc j'ai posé, je suis partie en vacances et j'ai laissé traîner. Du coup, bah là, mon objectif, c'est de débarrasser, de ranger, de trier, de voilà, encore une fois, de faire du tri. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas forcément tout le temps la même tête, puisque je vais pas me donner un challenge d'horaire en me disant en une heure je vais réussir, parce que c'est impossible que j'arrive à trier autant de choses en une heure. J'aimerais aussi faire la partie bibliothèque aussi, qui est juste derrière mon bureau. Voilà, pareil, donner des livres ou vendre des livres, mettre sur des applications, tout ça. Je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui m'énerve sur les applis, c'est que ils reprennent des fois les livres à 10 centimes et je me dis, ah, des fois c'est abusé quand même, ils pourraient reprendre au moins 1 euro ou 50 centimes au moins. Des fois, certaines applis abusent. Mais bref, si vous avez d'ailleurs des conseils, des choses à me conseiller pour tout ce qui est tri, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, qu'au moins on partage un petit peu les bonnes infos. Je sais que ma copine Sarah, elle m'a dit un site qui pouvait permettre de faire du tri. Je crois que ça s'appelle WeTri. Donc je vais regarder ça aussi de plus près pour pouvoir aussi aller m'en occuper, récupérer soit des choses, des petits, récupérer de l'argent ou en tout cas donner. Voilà, je sais qu'il existe aussi Give, un site de dons. Il y a plein d'endroits, mais moi j'ai envie de donner surtout à Emmaüs ou au Secours Populaire pour me débarrasser en masse. Vous voyez le genre? Donc on va faire ça ensemble, comme ça, ça va me booster, ça va peut-être vous booster vous aussi à ranger certaines parties de votre maison. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez. À chaque fois, n'hésitez pas à papoter avec moi au fur et à mesure de la vidéo, histoire qu'on se motive et qu'on se soutienne. Et dites-moi si vous avez envie de voir la suite. Le reste de mon salon n'est pas forcément, n'a pas besoin pour l'instant d'un grand changement. Donc je pense que le salon et la cuisine, je ferai en même temps. Je verrai comment je m'organise. Mais en tout cas, ça sera une prochaine vidéo, parce que vraiment, j'espère vraiment de tout cœur que ça vous plaira. Bref, j'arrête de blablater. Je vous laisse liker cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous laisse avec mon tri, mon rangement, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, let's go!
j'ai sorti tous les sacs de ma classe, hein, tout ce que j'avais mis en sac et tout ça pour commencer à essayer d'organiser et de mettre des petites choses dans mon armoire. Et je vais maintenant aussi un petit peu trier cette étagère, hein, histoire de pouvoir caser quelques petites choses. Mais ça va être compliqué, hein. Il me reste encore tout ça à organiser et à trier. J'ai fait un sac pour Emmaüs. Tout ça, c'est pour l'application Momox. On scanne les livres et ça vous dit combien ça vous les reprend. Donc j'ai mis tout ça ici. Et il y a d'ailleurs un autre sac qui est encore en haut parce que j'ai trié aussi les livres d'en haut. Et tout ça, ça va être pour vendre lors de la Team PE. Comme ça, il y a plein de livres à dispo, des livres d'enseignants, etc. Donc voilà, j'ai fait du tri dans mes livres. Je vous retrouve au moins, je sais pas, 3 semaines après. Honnêtement, j'ai pas rerangé mon bureau pendant tout ce temps-là, parce que ça a été la rentrée, tout ça, le rush. J'ai fait quelques petites choses par-ci par-là, mais pas grand-chose. Et j'ai enfin aujourd'hui décidé de m'attaquer à tous les sacs qui étaient par terre. Donc vous voyez, c'est encore le bazar parce que j'ai tout sorti des sacs pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc les sacs, c'était tout ce qui était dans ma classe, hein, les classeurs de ma classe et tout ça. Donc j'ai tout sorti, j'ai gardé ce qu'il pouvait m'intéresser pour cette année puisque je suis inspectée. Et les autres choses, je vais soit scanner, soit jeter. En tout cas, il faut que je fasse du tri clairement parce que j'ai pas assez de place dans ma maison pour tout ça. Et pour information, pour ceux que ça intéresse, je vous avais dit dans la vidéo que j'avais envoyé des colis chez Momox, l'application Momox. Donc j'ai envoyé 4 colis avec des livres que j'ai scannés sur l'application directement. Et j'ai reçu 38€. Donc c'est pas grand chose si je les avais vendus individuellement. Mais en fait, j'avais complètement la flemme de tout vendre. J'avais tellement de livres à trier et tout ça. Donc sinon, j'étais prête à tout donner à Emmaüs. Donc l'application, ça a été plutôt cool. Ça m'a rapporté voilà, une petite 40aine d'euros. Donc c'est pas négligeable. Ma mère a vendu sur Vinted beaucoup de livres. Elle a récupéré 90€ qu'elle a gardé pour elle, parce que je lui ai dit, celle qui a fait tout le boulot, qui a mis sur les photos et tout ça, donc bah, elle a gardé pour elle. Et ma foi, voilà. Donc il me reste encore beaucoup de livres, plein de choses, mais j'avance dans mes rangements. Et même si c'est encore encombré, parce que cette zone là je pense qu'elle sera pas vide, hein, bah, je trie quand même. Donc c'est déjà ça, hein. Je vais encore désencombrer tout doucement et je vous montrerai le résultat à la fin, même si je pense pas qu'il y aura un avant après genre en mode waouh, parce que les livres, c'est dur pour moi de les débarrasser. Il y a beaucoup de choses qui rappellent ma classe, mon parcours, et à chaque fois il y a ce petit sentiment qui me dit bah, peut-être que ça te servira. Sachant que cette année je suis inspectée, j'ai pas envie de tout jeter non plus, tout donner, parce que je suis sûre que j'en aurai besoin dans l'année. Et après mon inspection, je réfléchirai à 2 fois et là je me poserai les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Est-ce que je m'en suis servi ou pas? Et je débarrasserai, je pense, un petit peu plus à ce moment-là. Mais ne vous attendez pas à un waouh, même si il y a pas mal de choses que je suis en train de mettre dans la poubelle, il y a pas mal de choses que je suis en train de donner, que je vais laisser dans les écoles où je passe, etc. Donc voilà, je vais me débarrasser quand même de pas mal de choses. J'ai sorti de l'étagère tous les jeux de société de mes enfants, il en reste dans le garage. Je vais essayer d'en mettre quelques-uns ici, ceux qui sont utilisés régulièrement. Oula. Et j'en ai mis de côté que vous retrouverez sur Vinted. Il y en a peut-être quelques-uns que je vais voir, que je vais garder pour mes classes ou pas. Je vais voir, ça évidemment je viens juste de les recevoir, hein, ces deux-là. Donc, je les ai sortis là, mais je vais les garder, hein, parce que de toute façon... ces deux-là sont tout nouveaux, on n'a pas encore joué avec. Celui-ci, je sais pas, parce que vraiment pour une classe, c'est génial. Donc, est-ce que je mets pas dans une boîte à jeux spécial pour ma classe? Je vais voir. Je vais voir, parce que moi, mes enfants, ils en ont plus besoin vraiment maintenant. Au niveau de la manipulation, ils en ont plus besoin. Donc ça, je vais voir. Mais en tout cas, je vais trier tout ça.
Et essayer de caser, on va dire, ceux qu'on aime le plus ici. D'ailleurs, ça c'est pareil, c'est plus pour ma classe. Donc je vais peut-être pas les garder là, parce que mes enfants ne les utilisent pas non plus tout le temps. Je vais voir. Bon, il y a pas trop que je vais voir, mais en tout cas, c'est l'heure du tri. Bon, on va faire le petit bilan du bureau. J'ai un peu débarrassé tout ce qui était ici. J'ai réussi à mettre tout ce qui était pour mon budget planner dans cette zone-là. Donc là, il y a tout ce qui est budget planner. Ma Cricut Joy, ma Cricut Explore qui est là. Tous les accessoires Cricut, tous les accessoires Cricut Joy aussi. Dans le bureau, bah, vous avez vu, j'ai rangé un petit peu mes placards. J'ai pas encore réussi à désencombrer de dingue, mais j'ai quand même débarrassé vraiment beaucoup de choses. Ici, j'ai pas mal trié et gardé ce qui m'intéressait pour cette année en tant que remplaçante. Et là, j'ai gardé juste mes boîtes de cartes mentales et les tasses vierges que je peux personnaliser avec ma Cricut. Donc voilà pour mon bureau. J'ai pas fait des trucs extraordinaires, mais j'ai quand même pas mal désencombré et nettoyé. J'ai un sac poubelle rempli. Là, c'est tout mes tote bags de maîtresse que je vais caler quelque part, mais je ne sais pas encore où. Au niveau d'ici, alors vous voyez, il y a beaucoup moins de sacs qu'avant. J'ai réussi à caser quelques classeurs ici de maîtresse, mais j'en ai encore beaucoup à l'étage. Vraiment, les maîtresses, si vous êtes parmi moi, parmi les visionneurs de cette vidéo, je pense que vous me comprenez. On a énormément de choses en tant que maîtresse. Et quand on n'a plus de classe, bah, on ne sait pas où les mettre. Là, j'ai des dossiers à trier, à organiser, donc ça, il faut que je m'en occupe. Et ici, je me suis fait, entre guillemets, ma valise de maîtresse, ma mallette de maîtresse. Ça, j'aimerais bien mettre des petits jeux en autonomie à l'intérieur et la personnaliser avec ma Cricut, mais j'ai pas encore réfléchi quoi, donc ça serait tardé. Et là, je me suis fait donc un classeur d'autonomie pour cycle 2 et 3. Une sorte de porte-vue musique avec plein de chansons au cycle 1 et cycle 2 principalement, il y a un petit peu de cycle 3. Et pour finir, un porte-vue aussi EPS avec des activités à faire du cycle 1 au cycle 3. Donc ça va être pour dans mon coffre. Et selon le niveau où je vais aller, bah, j'aurai quelques petites choses en main, prêtes à être utilisées. Donc ça va être cool. Donc vous voyez, j'ai quand même débarrassé 5 sacs qui étaient là, qui traînaient. Ça c'est mon sac d'école, ça c'est le sac des enfants. Mais il me reste encore tout ça. Et alors qu'est-ce que c'est tout ça? Quasiment à vendre. À part ça, là, les livres ici, je les garde. Ça c'est dans un concours Instagram, il faut juste que je fasse le tirage au sort. Le maquillage est à vendre, ici c'est à vendre. Donc tout ça là, tout ce qui est ici c'est à vendre. Et il me reste plus qu'entre guillemets à regarder, vérifier et tout ça. Tout ce qui est Harry Potter, ici c'est une boîte Harry Potter. Là, on a des sacs vides. Vous voyez, c'est tous les sacs que j'ai débarrassés. Donc malheureusement, je vais clôturer cette vidéo ici, mais j'ai pas réussi à finaliser vraiment complètement mon désencombrement. Et je peux pas faire ça en 2 jours. Honnêtement, c'est hyper dur. C'est hyper dur en quelques jours parce qu'en fait, il y a un côté sentimental. Je sais pas vous si c'est la même chose, mais je suis en pétard en plus à force de ranger. Quand je regarde mes classeurs de maîtresse, à chaque fois je me dis ah, ça va peut-être me servir ceci, cela, et en fait je sais que ça va pas totalement me servir parce que j'ai beaucoup de choses maintenant sur mon iPad, mais j'ai encore du mal à désencombrer. Et puis alors scanner toutes mes pages, ça va me prendre un temps fou. Donc je pense que je vais me faire un petit stock de classeurs de maîtresse en haut, tout en haut, dans mon étage, dans mon dernier étage. J'ai vraiment essayé de garder le moins de classeurs possible, mais garder les essentiels, par exemple par cycle. Pourquoi pas, comme ça j'ai quand même quelques ressources. Et à la fin de l'année, quand j'ai fini d'être remplaçante, je pense que j'enlèverai tout ça et je garderai vraiment les essentiels qui m'auront servi cette année. Vous voyez un peu le délire ou pas? Voilà, on va clôturer là cette vidéo rangement du bureau. Je suis contente quand même d'avoir désencombré un petit peu mes livres. J'ai quand même débarrassé 4-5 cartons de livres. Là, j'ai refait encore 2 cartons pour Emmaüs. J'ai donné des trucs aussi. J'ai des choses aussi à donner pour des écoles. Donc ça, je mettrai dans un autre carton séparément. Et puis, il me reste tous mes trucs Harry Potter et tout ça là, à vendre. Parce que vendre, en revanche, ça se fait pas en tac, hein, en 2 minutes. Donc ça se fait un peu plus de temps. Je vous invite à me retrouver sur Vinted où vous retrouverez des jeux de société à bas, voilà, tout ça. D'ailleurs, les jeux de société, je les ai rangés dans la petite boîte que je vous ai montrée et c'est nickel. Il m'en reste quelques-uns qui sont encore sur la table qu'on doit tester avec les enfants, et si ça plaît pas,
on met sur Vinted. Donc il y a pas mal de jeux sur Vinted. Donc voilà, ça va au fur et à mesure sur Vinted quand on se rend compte que ça va pas. Il faudrait que je désencombre encore, comme cette zone c'est la salle à manger, en même temps c'est le bureau, bah du coup ça va, ça vient et je pourrais trier au fur et à mesure. Je vous retrouve le mois prochain pour le prochain désencombrement et pour... Dans la prochaine vidéo on s'occupera du salon et j'ai pas mal de choses d'envie à enlever, mais j'attendais de le faire avec vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !